Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir notre petit display point de fusion. Ben voilà, vous le savez, normalement je devais recevoir un display. J'ai pas fait de vidéo réception parce qu'en fait il y avait que le display et 4 blisters à l'intérieur, donc je me suis dit que c'était pas très utile. Et puis bah écoutez, on est parti. Donc évidemment, comme d'habitude, je vais ouvrir ce display en 4 parties, donc il y aura 4 vidéos que du coup je vais tourner à la suite ici, et vous les verrez une fois par semaine normalement, si tout se passe bien. Du coup, on est parti pour se le déceler et je vais vous présenter un petit peu la boîte après que j'aurai enlevé le blister. Alors, concernant mon avis, on va dire mes pronostics sur cette ouverture, j'ai extrêmement peur, mais je garde assez espoir dans le sens où on peut choper des cartes très belles si on en chope, c'est-à-dire notamment les alternatives. Voilà, il y a des cartes extrêmement dures à avoir. Dans cette série, j'ai l'impression que les ultras sont très dures à avoir dans tous les cas. Et voilà, dans toutes les ouvertures que j'ai vues, en tout cas, le quota est vraiment horrible. Donc si on peut avoir une super belle carte dans cette ouverture, ça serait vraiment ouf. Du coup, je vous présente un peu la boîte, comment... Enfin, la boîte, le display. Donc devant, c'est comme ça, tout simplement. Sur le côté, là, on a un petit Genesect. Derrière, si vous voulez mettre sur pause pour lire, n'hésitez pas. Ça se présente comme ça. Et ici, on a un Fulgudog. Puis devant, on avait le Mew. J'aime beaucoup. Là, on a le Ectoplasma. Du coup, j'aime énormément la display. Je trouve ça très joli. Pour le coup, le rose qui est vraiment très présent. Alors, vais-je y arriver parce que j'ai un booster qui est écrasé. Et du coup, comme d'habitude, on va se prendre 9 boosters dans une partie, 9 dans une autre, etc. Et là, on va commencer de ce côté. Puisque je crois que la dernière fois que c'était à gauche. Mais de toute façon, à chaque fois, je dis, je crois que j'ai commencé de ce côté. Mais au final, j'ai commencé l'autre. Donc voilà, on prend 9 boosters parce qu'à l'intérieur d'une display il y a 36 boosters et 9 x 4 ça fait 36. Voilà, je ne me suis pas trompée dans mes calculs. On recompte quand même pour voir si on en a bien 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous remonte les illustrations parce qu'on n'a pas eu trop le temps de les voir. Mais on a un Genesect qui est très beau, Fulgudog, Ectoplasma et Mew. Pour ma part, mon illustration préférée c'est celle de Fulgudog parce que je la trouve beaucoup plus colorée. Après j'aurais mis Ectoplasma et ensuite Mew, puis en dernier Genesect. Voilà pour mes petites préférences. Et du coup on est parti pour s'ouvrir cette display. On y croit pour avoir des belles cartes. Faut que je prépare mes sleeves. J'espère vraiment choper des belles cartes. J'ai pas pris de top loader. Aïe, j'ai pas prévu. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on y croit, il faut qu'on ait des belles cartes parce que franchement là, c'était pas fameux les autres ouvertures qu'on s'est faites. Donc on s'est fait 2 ouvertures, ou peut-être qu'une seule qui est sortie sur la chaîne. Je sais pas comment j'aurais sorti, si j'aurais priorisé le display ou pas. Mais logiquement, vous avez vu le TB en premier, puis après normalement j'ouvre 8 boosters qui viennent d'une TB aussi. Donc voilà. Allez, on y croit, on espère que cette série va être plus sympa avec nous, avec ce display. Très joli le Luxio, j'aime beaucoup avec ici la tente quand on se pose, ou la tente du chercheur, je sais plus trop ce que c'est. Mais elle est très belle, j'aime beaucoup l'illustration. Ensuite, un Crisacier. Nounourson, on a énormément de cartes à découvrir dans cette série, parce que bon le nombre de cartes, il est énorme. 264 cartes, c'est énorme. Goupix, Meltan qui est... très classe pour un petit Meltan. L'Imagma, et comme première carte de ce display, nous aurons un Trépassable. Alors, on commence avec du coup les cartes, enfin une carte pas ouf. En plus, j'aime pas de ouf l'illustration. Après, on l'avait pas vu, je crois. Non, on l'avait pas du tout vu, mais j'aime pas de ouf l'illustration. Enfin, en vrai, ouais, ça va. Après, c'est du sable, hein, donc bon, Trépassable, c'est du sable. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne, donc là, ne vous attendez pas à un quota genre 2 ultras par partie. C'est mort d'avance, on risque de ne rien avoir dans des parties. Voilà, je vous donne pas du tout envie de regarder en fait. Chelours, la mise au point. Skatepart, Locpin qui est très belle, très sympa. Avec son coup de pied, j'aimerais pas me le prendre. Trousselin, Feuillajou, Moumouton, Henri Versin. Oh là, on l'avait pas vu encore. 3 dresseurs, Armando, Rachid et Noah. Avec le petit signe point de fusion. Et derrière, un petit Corvalus. Ah oui, ça c'était une de mes goals rares, on va dire. Parce que j'aime beaucoup Corvalus. Comme vous le savez, c'est mon oiseau préféré. Très beau ce petit Corvalus. Eh bah écoutez, cool, une belle rare. Ça fait plaisir. On va la mettre avec Trépassable. Et du coup, on va enchaîner sur le troisième booster. Allez, il faut qu'on sorte une grosse carte. J'ai trop envie de sortir une grosse carte. J'aimerais trop. Après, en plus, avec... Oh, je crois qu'on a quelque chose vu que la carte est très foncée. En principe, quand la carte est foncée, c'est qu'on a une ultra. Mais quelle ultra? Je me demande. Minotaupe, ok. Décéliande, qui est beau, qui est très joli.
Découverte de l'aventurière, Fantyrme qu'on n'avait pas eu. On avait eu Disparaît-il, mais pas Fantyrme, mais Lanceurien, je crois aussi qu'on l'a chopé. Ok, donc qui est dans la ville avec ici un. Mais c'est un. L'évolution de Grimalin. À Yante, ça finit en Yante, je crois. Je sais plus. Makuhita, qui est très beau, Makuhita. Mini-Sange, Darumaru N'Galar, Gripat, un Ronflex, et derrière. Oh non, c'est. Oh, j'ai tellement eu d'espoir. On n'a rien du coup. Ainolo, bah ouais, ok, d'accord, j'ai tellement eu de l'espoir. Demeteros holographique, qui est très beau. Enfin, très beau, qui est simple en soi, mais ça passe quoi. Donc cool. Unholo. Bon, bah, du coup, je vais éviter de me hyper quand je vois une carte foncée parce que ça peut être Unholo et je vais être totalement déçue. Allez, on enchaîne. Mew. Allez, allez. Et du coup, j'étais en train de dire, je me suis coupée. Ça fait déjà 2 minutes, je crois. Que oui, les ouvertures points de fusion, ça va être très compliqué. Je vais essayer de m'en procurer en physique si j'en trouve. Mais sinon, il y aura peut-être moins de quantité que les autres séries d'habitude. Darkrai en peu commune. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Darkrai en peu commune. Elle est très jolie. Mais en peu commune. Il mérite quand même la rare. Éclat d'Inésia, ça fait trop bizarre. Flamajou. Mucuscule. Embroché. Snubbull. Scorplane, qui est vraiment très jolie. Et une petite V, un petit Sucrène. J'aime beaucoup les couleurs de Sucrène parce que ça fait vert et rose. Et je trouve que ça fait un gros contraste. Et bah, j'aime beaucoup. Petit Sucrène V qu'on découvre qui est très belle. Parce que bah, quand je vous dis rose et vert, ça flash. Et ça fait plaisir de voir ça. Ok, cool. Bah, on va la mettre sous sleeve. Elle est très jolie. Non, en vrai, elle est belle. Hein. Là, très agréablement surprise. Je sais pourquoi on n'a pas de grosse carte. Parce que j'ai totalement zappé de vous montrer la mascotte de cette vidéo. C'est le Goku. Le Goku, j'ai eu. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais en fait, tous les jours, je poste la case que j'ai. Parce que du coup, j'ai un calendrier Dragon Ball Z. Et du coup, bah, là, on est le 1er décembre quand je tourne cette vidéo. Et j'ai eu un Goku. Et du coup, je voulais le mettre en mode mascotte, mais j'ai totalement zappé de le mettre. Ah, mais il a des paillettes. Et du coup, je vais le mettre. Genre, par contre, il tient pas debout. Ça, c'est dommage. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec les pieds. Mais il tient pas debout. Je vais le mettre ici. Et puis, on va continuer. Et normalement, avec ce Goku. On devrait avoir de la chance. Ça va être notre mascotte pendant toute l'ouverture du display. Clairement. Parce que je vais tout enchaîner. Donc bon. Je vais pas pouvoir attendre la pop de demain. Allez. 1, 2, 3, 4. Et on est parti. Donc une V pour l'instant. C'est une V. Il nous reste quand même beaucoup de boost. Oh, il est trop beau. Non, là, franchement, il est super beau. Bah alors là. Mais j'aime trop son style de dessin, lui. Ça fait plusieurs fois hein, qu'on voit son style et il est. Mais j'adore! Il est bon dans la poubelle, hein, dans son environnement. Avec là une petite Pokéball. Il y a plein de petits trucs. Enfin, c'est tout. J'adore. C'est super joli, très coloré aussi. Donc c'est ça qui fait le charme. Kaiminus qui est tout content. Brocélome, Ronflex. On découvre encore des cartes. Hein, c'est ouf, tellement il y en a. Corailion de Galar. Et derrière, un Tarambule en rare. Alors ça, je crois qu'on la découvre pas parce qu'on l'a vu en reverse, il me semble. Et du coup, c'est une rare. Donc ça répond à mon interrogation si c'était une holo ou pas. Et du coup, c'est une rare. Voilà. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4. Et oh, j'espère qu'on n'a rien parce qu'elle est. Elle est tout abîmée ici là. 1, 2, 3, 4 et on enchaîne. Allez. Feuille. Bah c'est lui, non? C'est pas lui qui a fait. Attendez, j'arrive pas là. Ah non, mais what? Ils ont carrément le même style de dessin. Attendez, que je retrouve. Que je retrouve l'autre. Bah de toute façon on n'a rien, désolé, je spoil. Miam miasme. Oh non, c'est pas le. Ouais, non, c'est pas pareil, mais c'est très ressemblant. Et j'aime beaucoup ce style. Nouveau style de dessin que je valide. Zarud, qu'on n'avait pas vu encore. Delcati. Lixi. Mais c'est fou, on en découvre encore. Il y a quoi dans le fond? Ah bah, son évolution, tout simplement. Bargantua. Larvibule. J'esquipe une carte. Férosinge. En reverse, un Crisacier. Et derrière, un Serpangorark, aussi qu'on avait eu en reverse. Et. Ah, peut-être qu'on l'a eu aussi en rare normal, je sais plus. On découvre encore plus de communes que de rares ou de trucs comme ça. C'est ouf, n'empêche, cette série, il y a beaucoup trop de trucs. Hein. C'est dommage, parce que je pense qu'elle aurait été beaucoup plus accessible, enfin, beaucoup plus collectionnable s'il y avait... Enfin, je sais pas pourquoi ils ont mis autant de cartes. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas trop d'intérêt, à part... Bah à part vendre plus, enfin, ou que les gens achètent plus. Pachiraja qui est beau. Mais voilà, c'est ça le truc. Ils ont mis énormément de gros Pokémon qu'on retrouve en rare d'habitude. En rare ou en holo. Et ils les ont mis en commune, peu commune. Genre Darkrai, Pachiraja. Enfin, je la vois pas du tout. Bah, la ligne Pachiraja, ok. Mais elle est très belle par contre. Mais ouais, je sais pas. Ils ont foutu beaucoup trop de Pokémon. Cuisinier, Miaouss, Onix, Kelo Croc.
Et ce qui est assez marrant, c'est que je parle beaucoup. Hein. Ce qui est assez marrant, c'est que on voit pas beaucoup de Pokémon de type psy, alors que c'est un peu la série quoi. Oh, une full art, une écolière full art, petite dresseur full art, ça fait plaisir. Bah écoutez, pour l'instant, c'est une bonne partie parce qu'en soi, on a deux ultras, donc c'est cool, dont une full art et c'est cool, c'est vraiment cool parce que c'est une dresseur et elle est très belle. Comme d'habitude, hein, les dresseurs, elles sont colorées, elles sont sublimes. Je vais vite la protéger. Je vais pas attendre. Mais cool, vraiment cool. Tac. C'est numéro combien? Parce que du coup, les dresseurs, 262 pour celle-ci. Donc on va la mettre de côté avec le sucrène et on va enchaîner. Il nous reste deux boosters pour cette partie. Je vais essayer d'aller plus vite dans les autres. Hop. Et hop, 1, 2, 3, 4. Je vous invite à aller voir aussi, si vous l'avez pas vu, la vidéo. Alors, une vidéo qui dure très longtemps, c'est la vidéo de l'Ultimate Guide. Voilà, je pense que c'est une très belle vidéo à regarder. J'ai beaucoup aimé ouvrir cet item. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient aimé l'ouvrir. Ah bah tiens, on vient de l'avoir. Et franchement, c'est en chouette. Mais il est vraiment dans la mer. Ils ont vraiment pris une photo de la mer. Des barres. Et franchement, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle m'aura pris pas mal de temps quand même. J'avais 30 minutes à monter. 20 minutes, 26 minutes je crois, j'ai ressorti. Alors bon, le tri, voilà. Gamblast. Oh, il est beau. Mais on dirait il est genre... il a changé de couleur. Ah, il est sublime. Peu commune. Genre, ami carrément rare. Mais c'est bizarre, il est bleu foncé. Normalement, il est bleu clair partout, non? Ou il a un truc sur lui, je sais pas. Ah non, je suis juste... Mais non, je comprends pas. Mais non, il est... Ah, c'est sa pince. Bon, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il changeait de couleur. Et derrière, un Zeraora en rare qu'on a déjà eu. Et du coup, ouais, je vous invite à voir cette vidéo. Je vous invite à aller voir en fait toutes les vidéos que vous n'avez pas vues, si jamais. Afin de rattraper tout ça. Non, franchement, non, mais je suis très contente en vrai de la vidéo sur l'Ultimate Gift parce que franchement, c'est un sublime item. Hein. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Oh. D'ailleurs, les préco. Alors, elle s'appelle comment la série? Star, la série avec Arceus va bientôt être dispo en préco. Donc préparez-vous, hein, oui, parce que ce display, je l'ai évidemment chez Pokémon, vous avez l'habitude maintenant. Si vous n'avez pas, bah, préparez-vous, tout simplement, préparez-vous. Cette série, elle était disponible pour tout le monde hein, en précommande. Donc n'hésitez pas à vous préparer. Puis bah, n'hésitez pas aussi à utiliser mon code promo, la Pokéstop, qui vous donne 2% de réduction si vous commandez chez elle. Voilà. Araquan, Reverse, un électrode. Et derrière, une autre ultra. En fait, on va tout. Oh, elle est belle. On va tout avoir dans cette partie. Un Ectoplasma V. Oh, il est beau. Hein. Ah, il est très très joli en V là. Très sympa. En plus, V obscur. Évidemment, bon, je ne vais pas vous répéter que j'aime bien les V obscurs. Tac. Eh ben écoutez, cette partie en vrai, pas dégueu parce que une full art et 2 V. Donc franchement, pour l'instant, ce display commence très très bien. Mais j'ai un peu surtout peur pour la suite, je dois vous avouer. Mais pour l'instant, en vrai de vrai, je trouve que je suis assez chanceuse hein, pour le coup de toutes les ouvertures que j'ai vues, de tous les retours que vous m'aviez fait aussi. Là, franchement, c'est cool. Bah, du coup, voilà, la première partie est terminée de ce display. Je vous invite la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce display sur ma chaîne, évidemment. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me soutenir si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.